Alassane a trop foutaise. Les opposants aussi en Côte d'Ivoire, ils ont trop foutaise. Je comprends pas pourquoi. On est dans quel pays au juste? Côte d'Ivoire. C'est pour eux que je viens faire cette vidéo-là. Hein. Je vais même pas regarder aucun opposant en Côte d'Ivoire parce que je peux même pas les caresser, quoi. Non. Je suis fou trop des Ivoiriens, ces opposants. Je sais pas s'ils sont vraiment opposants ou bien des collabos. Vraiment, c'est pas la peine. On n'a personne en Côte d'Ivoire. On n'a que des plaisantins seulement. Des vrais plaisantins en Côte d'Ivoire. Je suis opposant. Je suis opposant. Quel bon opposant. Excusez-moi, mes frères. Donnez-moi 1 minute. Nous allons commencer cette vidéo. Parce que ce n'est pas normal d'avoir des gens qui sont comme des opposants, qui sont muets. Hein? Pendant que le peuple souffre, le peuple ne. Il faut la Côte d'Ivoire pour voir les opposants muets. Nous allons commencer. Excusez-moi, je dois faire ma cuisine. Je vais faire vite la vidéo et faire ma cuisine en fait. Voilà. Je n'ai pas. Je n'ai pas assez du temps. Ok. Bonsoir, bonsoir pour tous ceux qui sont connectés et ceux qui ne sont pas connectés. Je viens devant cette caméra pour parler encore de la situation sociopolitique ivoirienne. Vous voyez, les mutins ont montré au monde entier qu'Alassane n'était rien. Et qu'Alassane, il a peur du bras de fer. Oui, Alassane, il a peur de la force. Raison pour laquelle, quand Alassane apprend un petit truc, il est obligé de mettre les gens en prison. Ah, voilà. Dès qu'il Il te suspecte d'avoir envoyé un petit message à Alassane, il te prend, il te met en prison parce qu'il sait que si il y a une révolte générale, Alassane ne peut rien maîtriser. Et il a peur, il ne veut pas que la révolution arrive en Côte d'Ivoire. Il ne veut pas que les patriotes ivoiriens, les patriotes ivoiriens se révoltent contre lui. Il ne veut pas qu'il y ait des vraies actions sur le terrain. Donc, quand il voit quelqu'un qui veut mener une petite action, Ouattara, immédiatement, il arrête la personne. Même les servantes, même les villageoises, il les arrête pour les mettre en prison. Vous devez comprendre cela. Vous avez vu le mutin. Il a été incapable de les désarmer. Or, pourtant, il avait tenu des discours pour dire que son gouvernement est ferme et que son gouvernement n'allait pas céder devant ces mutins. Bon, on a vu, c'est-à-dire, c'était un petit discours tohu-bohu, il ne pouvait pas, mais il a cédé vers la fin. Il paraît que le roi marocain, M. Mohamed VI, si les Marocains regardent ma vidéo, ils n'ont qu'à savoir que leur roi vient de prêter des milliards à la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, tous les Marocains qui vont regarder cette vidéo, sachez que votre roi, il n'arrive même pas à vous nourrir et c'est lui qui finance des rebelles en Côte d'Ivoire, un pouvoir rebelle. Donc, le roi marocain a financé à la nation ivoirienne à l'aide de 45 milliards de francs CFA, vous comprenez? Et donc, Ouattara va prendre 40 milliards pour nourrir ses mutins. Et les 5 milliards, il va prendre ça pour faire autre chose. Mais n'oubliez pas, Ouattara va rembourser ça au roi marocain. Donc, il lui a prêté de l'argent. Le roi marocain a prêté de l'argent à Ouattara, 45 milliards de francs CFA. Vous devez le savoir parce que les parents de Ouattara ont refusé de lui donner du crédit, de lui prêter de l'argent. Ouattara a frappé à toutes les portes, ça n'a pas marché. Comme il a un ami fiable qui est le roi marocain qui s'appelle Mohamed VI, c'est lui qui a eu pitié de lui pour lui donner cet argent. Donc, normalement,
Les mutins, ils devraient commencer à obtenir leur argent à partir d'aujourd'hui et demain. Voilà, ils devraient recevoir leur argent sur leur compte bancaire. Voilà. Donc, c'est cette information que je voulais véhiculer à travers cette vidéo. Mais en même temps, je vois qu'en Côte d'Ivoire, les gens, ils vont commencer encore à payer les taxes vraiment très élevées. C'est-à-dire, les factures de courant, de l'eau et tout ça, les impôts vont augmenter. Parce que Ouattara va vouloir obtenir ces 45 milliards qui lui a été prêté par le roi marocain, coûte que coûte, par tous les moyens, avant que son mandat ne finisse. Donc, il va vouloir rembourser l'argent des gens. Vous comprenez? Parce que normalement, les caisses sortent de la Côte d'Ivoire, les caisses de l'État sont vides. Vous comprenez? Les caisses sont vides. Donc, Ouattara, il prend le crédit et c'est le pauvre citoyen ivoirien qui va payer. Moi, à travers cette vidéo, j'aimerais véhiculer un message. Si on vous taxe à travers les impôts, ne payez pas, mes frères. Ne payez pas, ce n'est pas vous qui êtes les mutins. Les mutins, ils n'ont qu'à payer les taxes de l'État ivoirien. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous qui allez travailler pour rembourser le crédit de Ouattara et ses mutins. Ce n'est pas vous. Ouattara, il a beaucoup d'argent sur son compte bancaire. Mais comme il est raté, il est avare, il ne veut même pas prendre une petite somme sur son propre compte bancaire pour payer les mutins. Il est obligé d'aller prendre crédit ailleurs au nom de l'État ivoirien pour que l'État ivoirien rembourse ce crédit via les citoyens ivoiriens. Ils vont travailler encore comme des esclaves. Au 21e siècle, vous voulez travailler encore pour Ouattara. Vous voulez travailler comme des esclaves pour Ouattara. Mais vous êtes quel peuple? Peuple ivoirien, réveille-toi. Peuple ivoirien, voici une très bonne occasion pour vous révolter contre Ouattara. Vous allez encore dormir. Vous êtes quoi? Vous allez dire ce sont ces mutins, mais les mutins, l'argent qu'Alassane prend, ce n'est pas son propre argent, c'est l'argent du citoyen ivoirien. Il va encore vous taxer pour rembourser cet argent qu'il a prêté. Voilà, que le roi marocain lui a apporté les 47 milliards de francs CFA. Vous voyez, donc c'est très, 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 très délicat. Ah oui, c'est délicat, mes frères, ce problème. Vous devez vous révolter contre Alassane Ouattara. Vous ne pouvez plus donner le lait à la salle. Vous connaissez son point faible. C'est le moment de lancer une révolution d'envergure sur tout le territoire de la Côte d'Ivoire, toute l'étendue du territoire ivoirien. Vous devez lancer une offensive de la révolution. Ah oui, une révolution ivoirienne. Vous devez lancer ça pour demander la démission d'Alassane Ouattara. Vous avez vu au Burkina. Le peuple a fait fuir Blaise Compaoré. Si vous êtes déterminé, vous pouvez le faire fuir. Mais non, vous êtes là, vous avez peur. De quoi avez-vous peur? Ce n'est pas des armes que vous avez. Vous marchez à main nue. Car la révolution ne va pas cesser. Les activités vont fermer, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de commerce en Côte d'Ivoire. Les banques vont fermer. Il n'y aura pas d'école. Vous allez voir les parents d'Alassane Ouattara qui sont les Occidentaux et les Américains vont mettre pression sur lui pour dire « Monsieur Alassane Ouattara, il faut démissionner. Le peuple ne veut plus de vous. Il faut démissionner. Quitte le pouvoir. C'est le seul moyen pour ramener le calme en Côte d'Ivoire. Avec ce qui vient de se passer là, si vous continuez encore une révolution, mais c'est un moment où vous allez mettre Ouattara KO parce que les grandes sociétés qui sont en Côte d'Ivoire ne travaillent pas, n'ont pas travaillé dans ces temps-ci. Et si vous, vous activez encore une révolution, mais vous allez voir Ouattara, son pouvoir est mort complètement. Voilà une bonne stratégie, un bon argument pour affaiblir Ouattara pour des bons et le faire fuir. Coopérer avec les fonctionnaires. Le peuple se lève, les fonctionnaires se lèvent pour dire Ouattara, il faut donner l'argent ou soit toi tu quittes le pouvoir. Aucun mutin ne va parler parce qu'à leur tour, personne n'a dit aux mutins de ne pas manifester. Au contraire, le monde, nous, on a soutenu ces mutins. Donc, autour des autres, les mutins ne vont pas parler. Non, ils ne vont pas parler. Mais je vois que dans ces temps-ci, il n'y a pas d'opposant en Côte d'Ivoire. J'ai bien remarqué. Afi, il n'a même pas parlé. Sangaré, il n'a même pas parlé. Stéphane Kipré n'a même pas parlé. Anaki Komena n'a même pas parlé. Yuan Bi Angenor, il n'a même pas parlé. Nougouya Saint, il n'a même pas parlé. Ceux qui dirigent
politiques en Côte d'Ivoire qui surtout sont dans l'opposition n'ont même pas ouvert leur bouche pour parler. Non, mais on ne peut pas vivre dans un pays comme ça. Comment voulez-vous qu'on vous fasse confiance, vous les opposants de la Côte d'Ivoire? Pendant que le peuple ivoirien souffre, vous allez dire non, on est dans l'opposition, c'est pas notre affaire, c'est votre affaire. Parce que c'est le peuple qui souffre. On tire dans les oreilles du peuple. Il y a eu d'autres morts. Alassane, il prend du crédit au nom de l'État ivoirien pour payer ses mutins. Et vous restez là, vous restez muet. Non, tout ce que vous allez faire, Gbagbo Sokam, Gbagbo Sokam. Oui, Gbagbo, il va sortir. On veut la sortie de Gbagbo. Mais chaque affaire a sa classe. Vous comprenez? Il y a chaque affaire à son moment. Au moment où ça passe, vous devez prendre la défense du peuple ivoirien. Mais vous restez muet. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'il y a de vrais opposants en Côte d'Ivoire? Comment on ne peut pas dire que vous coopérez avec le pouvoir dans la salle? Parce qu'il n'y a personne pour défendre le peuple ivoirien. Il faut les cyberactivistes. C'est nous qui sommes maintenant les vrais leaders de l'opposition. Je ne pense pas. Nous sommes des contributeurs. On parle, on dénonce. On éduque ce que nous savons. Mais vous, c'est vous qui dirigez l'opposition. C'est à vous de prendre votre responsabilité. En ces temps-ci, vous devez demander le départ d'Alassane. Voilà où vous devez mener une envergure de diplomatie sur le plan international pour demander la démission d'Alassane parce que trop, c'est trop. Le peuple est dégoûté d'Alassane. Mais non, vous restez là. Vous ne faites rien. Mais qui va parler au nom des Ivoiriens? Qui va parler? Qui va activer une action de révolte sur le territoire national? Si les leaders ils sont muets, ça me fait mal. Ça me fait mal. Au moment où vous devez prendre la défense du peuple, non, vous ne le faites pas. Mais vous vous battez à cause de leadership qui doit être le président du FPI. C'est ça qui est votre problème. C'est ça qui est votre problème. Divisez votre propre parti, vous êtes numéro un. Mais quand il s'agit de prendre la défense de toute la nation ivoirienne, non, on ne vous voit pas. Quand il s'agit de limer le pouvoir en place fort et de dénoncer l'exact barbare du gouvernement, vous êtes muet, on ne vous voit pas. Pourquoi vous faites cela? Et vous voulez qu'on vous vote? Vous voulez qu'on vous vote? Vous voulez aller aux élections 2020, mais on ne voit pas les vraies actions de l'opposition. C'est maintenant que vous devrez démontrer qu'il y a opposition en Côte d'Ivoire. C'est le moment d'intimider le gouvernement Ouattara. C'est le moment de vous imposer à Ouattara. Mais non, il reste 3 ans. Pendant 5 ans, vous n'avez rien fait. On n'a pas vu l'opposition. C'est pas dans 3 ans qu'on va voir l'opposition. Mais si vous voulez vous réveiller, c'est le moment de vous signaler fort pour dire, Ouattara, ça fait 7 ans, tu es là. On n'a rien dit, mais les 3 ans, on ne peut plus te regarder faire des bêtises. Mais non, vous êtes encore dans la peur. C'est pas en 2020 vous allez quitter dans la peur quand même. Ça me fait mal. Sangaré a fait un dessin. Quand il s'agit de lutter pour diviser le FPI, vous êtes numéro 1. Mais quand il s'agit de prendre la défense du peuple ivoirien, vous êtes muet. On ne vous voit pas. Où vous êtes caché? Pendant ces événements, on vous a vu où? Nulle part. On a découvert des armes lourdes dans le domicile, au domicile de Tricot, du protocole de M. Soro Diop, 11 tonnes d'armes. Il n'y a personne. L'opposition n'a même pas dénoncé cela. L'opposition n'a jamais été sur une chaîne étrangère pour dénoncer cela, pour que ça puisse rentrer dans les oreilles de la communauté internationale. Pour ne pas qu'ils disent demain que non, on n'était pas au courant de ça. Il faut dénoncer cela. C'est là qu'il faut appeler les chaînes étrangères pour dénoncer cela, crier haut et fort. Parce qu'ils ont commencé à mentir. Ils ont dit que c'était une caserne de Boakai. Ils ont pris d'assaut et ils ont. Comment ils ont fait? Ils ont pillé les armes qui étaient dedans pour amener ça chez l'autre. Mensonge. Quel moment est mutin? Ils pillent les armes et puis ça reste dans les caisses pour amener ça au domicile de quelqu'un. Lui, il est quoi? Et puis on envoie ça à son domicile. Voilà des choses que vous pouvez dénoncer, mais non, vous ne faites rien. Voilà des choses, des indices qui pouvaient aider les avocats de Gbagbo et de Blogoudé pour qu'on les libère. Voici des choses
que vous pouvez utiliser comme argument pour essayer de dénoncer la barbarie de Ouattara et les vidéos que les mutis ont fait en disant que non, c'est nous qui avons mis Ouattara au pouvoir, c'est nous qui avons combattu, c'est nous on a tué pour mettre Ouattara au pouvoir. Voilà des indices qui pouvaient vous aider à dire ceux qui sont en prison, c'est pas eux qui ont tué. Voilà les vrais coupables, eux-mêmes ils parlent, c'est pas quelqu'un qui a appuyé leur bouche. Ce sont eux-mêmes qui ont parlé, enregistrez la vidéo et vous partez sur une chaîne étrangère pour dénoncer. Faites une bonne diplomatie. Mais non, vous ne faites pas cela. Ils demandent l'argent parce qu'ils ont tué. Et vous, la Cour pénale internationale, vous dites que non, ils n'ont pas tué. Mais quel argent ils réclament? C'est parce qu'ils ont tué. Et donc, ils réclament parce qu'ils ont tué leur propre frère ivoirien. Donc, Bensouda va mener l'enquête sur le terrain. Parce que lui qui a tué, il reconnaît les assassins des Ivoiriens. Donc, il est gracié en leur donnant de l'argent. Maintenant, vous ne faites pas ce genre de déclaration et vous êtes là. Je ne sais pas. Après, c'est pour sortir. Gbagbo, il vient demain. Gbagbo vient après demain. Il ne va pas terminer l'année. On veut ça. Mais laissez ça d'abord. Ça, là, on ne vient pas devant le peuple pour crier, crier. Vous pouvez militer pour la libération de Gbagbo. Mais en sous-bâtiment, c'est ça qu'on appelle la diplomatie. Ce n'est pas en criant sur tous les toits qu'il va sortir. Non! Vous pouvez mener une très bonne diplomatie pour le faire sortir. Mais pour le moment, crier fort pour dénoncer le pouvoir d'Alassane. Mais non, vous ne faites rien. Ça me fait si mal de voir des opposants faire comme ça. Afou Diessan, le peuple ivoirien te regarde. Sangale, le peuple ivoirien te regarde. Le peuple ivoirien vous regarde. C'est le moment de prouver que non, réellement vous êtes des opposants et non des collabos. Parce que là, vous allez nous faire croire que vous coopérez avec le pouvoir, que ce soit Sangaré ou Afi. Oui, parce que si vous n'avez pas dénoncé cela, nous, on peut pas, on va douter de votre politique que vous menez. On va douter. Là, devant cette caméra, j'invite tous les pro-Sangaré, tous les pro-Afi, de demander à ces deux leaders qui représentent le FPI, demandez-leur pour dire pourquoi ils sont muets. Pourquoi quand les Ivoiriens souffrent et que les gens crient, ils ne savent pas quoi faire, pourquoi eux ils sont muets? Parce que le plus grand parti de l'opposition, c'est bel et bien le FPI. Et si le FPI ne parle pas, qui va parler? Mais c'est vous qui devez parler. Mais quand il s'agit de vous combattre sans garder à fil, là on voit sur Facebook, on s'est animé, on voit la guerre des étoiles, des deux camps pro-Afi, pro-Sangaré. Maintenant, quand le peuple ivoirien est tétanisé, est terrorisé, est pris d'assaut, on ne les voit plus. Ils disparaissent, ils sont muets. Pourquoi vous faites cela? Pourquoi? Est-ce que c'est un jeu que vous jouez? Si vous jouez un jeu, mais dites ça aux Ivoiriens. Si vous voulez prendre le nom de Laurent Gbagbo pour vous faire une place en politique, hein? Mais dites cela aux Ivoiriens. Parce que j'ai l'impression que tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ça ne vous intéresse pas. Que les Ivoiriens souffrent ou pas, ça n'engage que vous ne vous intéressez pas à ça. Tout ce que vous savez, Gbagbo sort. Le nom de Gbagbo est devenu un fonds de commerce pour vous. Le nom de Gbagbo est devenu un fonds de commerce pour vous. Vous foutez de la vie des Ivoiriens. Gbagbo, il va sortir. Mais parlez des Ivoiriens. Pour embêter le peuple ivoirien, Gbagbo sort. Oui, il va sortir. Mais qu'est-ce que tu fais d'abord pour défendre le peuple ivoirien? Car il sort à cause de qui? À cause du peuple. Qui le réclame? C'est le peuple. Et tu vois ton peuple mourir. Tu vois ton peuple vivre la dictature dans la chambre. Et tu es muet, tu ne dénonces pas ça. Mais tu veux que Laurent Gbagbo il sorte, qui n'a qu'à l'accueillir? Ce même peuple qui est affamé, ce même peuple n'a qu'à mourir d'abord pour libérer Laurent Gbagbo. Mais il faut prendre aussi la défense du peuple. Mais si tu es muet, que tu ne parles pas, nous, comment on peut te faire confiance? Comment on peut vous faire confiance? Sangaré, Afi ou Guessa, on peut vous faire confiance comment? Vous représentez l'opposition. Essayez d'être des vaillants leaders. Essayez d'être des vrais leaders de l'opposition. Et non. Et non, faire la courbette devant Ouattara. Ouattara, il n'est rien. Quand vous avez pris le pouvoir, Ouattara, il vous a déstabilisé. Il ne vous a même pas donné le temps. 2 ans, il vous a frappé, déstabilisé totalement, carrément. Et vous êtes resté dans cette déstabilisation jusqu'à ce que
il fasse l'assaut final. À son tour, vous êtes incapable. Ouattara, il est qui? C'est un homme. Vous aussi, vous êtes des hommes. Pourquoi ne pas réunir vos forces pour combattre Alassane Ouattara? Pourquoi? Eh bien, ce qui me fait encore mal, il y a des gens qui sont au Ghana, des leaders politiques qui ne font rien du tout. Ils sont là-bas, ils sont cachés, ils ne peuvent rien faire. Il y a d'autres même, ils ne parlent même pas. Et ils se disent qu'ils sont aussi des leaders politiques. Mais depuis l'étranger, on peut fatiguer le gouvernement, vous ne savez pas? Depuis l'étranger, on peut fatiguer Ouattara pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, il n'était pas en Côte d'Ivoire. Depuis sa position à l'étranger, il vous a fatigué, il vous a déstabilisé. Vous, à votre tour, vous êtes incapable de le fatiguer. Ghana, Côte d'Ivoire, c'est pas loin. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Il était depuis le Burkina, il a fragilisé le gouvernement de Laurent Gbagbo. Mais vous êtes incapable de fragiliser le gouvernement d'Alassane. Vous êtes des opposants. Mais sachez une chose. Si Ouattara finit de gouverner paisiblement et qu'il quitte le pouvoir et qu'il n'a pas eu une pression du côté de l'opposition, s'il n'a pas eu une intimidation du côté de l'opposition, sachez une chose, le jour où l'opposition va encore prendre le pouvoir, il aura encore un coup d'État. Sachez-le, mettez ça dans vos têtes. Oui, tous ceux qui sont les militants de l'opposition, tous ceux qui sont les leaders de l'opposition, Vous êtes dans une philosophie de dire on veut la paix, on ne veut plus la guerre. Mais le pouvoir en place dans sa tête, une fois l'opposition prend le pouvoir, eux, s'ils deviennent l'opposition, ils vont toujours faire un coup d'État. Parce qu'ils connaissent de quoi vous êtes capable. Ils savent qu'une fois au pouvoir, s'ils vous font sauter du pouvoir, vous n'allez pas faire un effort pour les déstabiliser. Ils savent. Ah oui, ils savent. Et ça est dans leur tête. Donc, ils vont toujours faire la rébellion. Parce que si vous quittez par la force, vous n'allez pas faire rébellion. Et vous n'allez même pas les effrayer. Donc, ils vont toujours faire une rébellion. Vous devez savoir cela. Oui, vous devez savoir cela. Parce que quand ton chien mord quelqu'un, et que tu ne rougis pas les yeux envers lui, tu ne le tapes pas, quand une deuxième personne va venir encore, le chien va le mordre. Ou bien, quand le chien, il déféque dans ton salon, et que tu ne fais rien, toujours il va déféquer dans le salon. Parce que ça y est dans ses habitudes. Vous devez comprendre cela. Vous devez comprendre cela. Et c'est le moment de dire à la salle, tu nous embêtes, nous aussi on va t'embêter. Si jamais, je dis malheur pour vous, si vous laissez à la salle gouverner jusqu'en 2020, mes frères, dites-vous, que ce soit Fils Sangaré, tous ceux qui sont dans l'opposition, s'ils prennent le pouvoir, le RDR va encore frapper un coup d'État. Parce que le RDR, dans sa philosophie et dans sa vision, va dire, le pays, si le pays quitte le pouvoir, le pays ne peut pas nous faire un coup d'État. Et nous, on va gérer. Et ça va être comme ça. Alors, à vous de prouver, le RDR, que de la manière qu'ils ont fait pour venir au pouvoir, vous n'allez pas les laisser aussi. Vous allez embrouiller leur pouvoir. Comme ça, ça va leur donner une leçon de morale. Quand tu déstabilises, toi aussi, tu ne peux pas gouverner. Ça va leur donner une leçon de morale pour que ceux-là, ils prennent conscience. Là, comme ça, si quelqu'un d'autre prend le pouvoir, ils ne vont plus penser à une rébellion quelconque. Vous devez terroriser ce gouvernement en place. Et moi, c'est ma logique. Vous devez terroriser le gouvernement de Ouattara. Vous êtes là, regardez Ouattara, comme si il était un chouchou, comme s'il était un œuf. Non! Vous ne devez même pas donner une petite occasion à Ouattara. Mais non! Si c'est moi qui étais leader, mais il y a longtemps, Ouattara, il a connu une rébellion au sein de la Côte d'Ivoire. Il ne pouvait pas gouverner. 2 ans seulement de gouvernement, j'allais frapper de la même manière qu'il a frappé. Il n'a qu'à prendre les hélicoptères. Il n'a qu'à venir. On va le terroriser de la manière qu'il nous a terrorisé. On allait le faire. Comme ça, ça allait lui donner une leçon de morale. Et plus jamais dans sa vie, un membre du RDR va encore penser à une déstabilisation quelconque. Mais non, vous êtes là. Non, la France le soutient. La France le soutient. La France est devenue le seul pays puissant au monde. Il n'y a pas d'autres pays puissants au monde, mais il y a plusieurs pays puissants au monde. Alors,
Est-ce que vous êtes des diplomates, vous êtes des politiciens, mais les vrais politiciens, ils mettent la politique. Ils cherchent des alliés, ils cherchent des accords, ils cherchent à signer des accords avec d'autres pays. Mais non, vous, vous ne le faites pas. Je prends le cas du pays qui est le Burundi. Burundi a fait venir sur son territoire l'armée américaine. Il y a l'armée française, il y a l'armée chinoise, il y a même l'armée iranienne. Donc la France ne peut pas se lever, elle se fait un coup d'état impossible. Même dans leur grand rêve, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Chacun protège ses intérêts. Et maintenant, il y a un accord qui est signé, c'est-à-dire un accord du gagnant-gagnant. C'est pas parce que toi, la France, tes accords sont menacés, que tu vas vouloir faire une rébellion. Non, parce que tu n'es pas la seule force sur le territoire burundais. Raison pour laquelle le président burundais a fait tout. Ils ont parlé, mais ils n'ont pas pu l'enlever au pouvoir. Vous devez mettre ça dans vos têtes. C'est ça l'Éthiopie aussi a fait. L'Éthiopie a fait cela aussi. C'est la même stratégie. L'Éthiopie a fait venir sur son territoire l'armée chinoise. Les Chinois, ils sortent maintenant. L'Éthiopie encore a signé des accords. Il y a une armée non loin de l'Éthiopie et non loin du Burundi, mais entre autres, au Yémen, c'est l'eau qui les sépare. Il y a une armée américaine, mais l'armée chinoise gêne l'armée américaine. Les Américains ne peuvent pas faire un coup d'État en Éthiopie. Et les Français, ils sont perturbés, les Américains sont perturbés. Regardez-moi encore, la Guinée équatoriale a fait venir sur son sol l'armée russe. Vous devez le comprendre, l'armée russe. Et donc, les Américains sont là-bas, les Russes sont là-bas. En aucun cas, ils vont faire un coup d'État sur le président de la Guinée équatoriale. Il est au pouvoir. Ils sont fâchés, c'est son affaire, ils vont poursuivre hors du pays. Mais dans leur vision, c'est-à-dire quoi? Le Portugal, je ne sais pas si c'est l'Espagne ou le Portugal, c'est l'Espagne d'ailleurs, qui a vendu ce pays à la France. La France qui voulait faire un coup d'État. Ils ont signalé le président de la Guinée équatoriale pour dire « Faites-les attention car la France prépare un coup contre toi ». Le président n'a même pas attendu. Il allait voir son président russe. Ce n'était pas Poutine, c'était le premier ministre russe. Il a dit « Donne-moi des militaires ». Dès qu'il a su que la France a préparé un coup d'État, il a fait venir les militaires russes et il a ouvert une base militaire russe dans son pays. Alors la France a fait du recul. La France n'a pas pu déstabiliser ce président et il est là juste en présent. C'est-à-dire que c'est une base militaire russe qui est dans son pays. La France voulait le déstabiliser, impossible. Ça n'a pas été le cas. Et maintenant, il est assis. Il signe maintenant des contrats de son pétrole. Oui, la richesse de son sous-sol. Et il est là, bâti son pays. La Guinée est émergente. Vous devez le savoir. Il y a beaucoup d'or. Il y a le pétrole. Donc, ils sont là vendre du pétrole aujourd'hui. Pour rentrer en Guinée, il te faut un passeport. Sans le passeport, tu ne peux pas rentrer en Guinée équatoriale. Donc, c'est comme ça. Pourquoi vous ne voulez pas faire cela? La France est-elle la seule puissance du monde? Il y a plusieurs puissances du monde qui effraient même des gens qui effraient la France. Pourquoi vous êtes là? Non, Ouattara, la France est derrière lui. Mais de la manière la France est derrière lui, c'est parce que Ouattara a fait la diplomatie. Ouattara a cherché des alliés et il a eu des alliés. La France l'a soutenu. Les Américains l'ont soutenu. Pourquoi vous ne voulez pas aussi chercher des alliés? Et vous êtes là, des feignards, des menteurs politiques que vous êtes. Vous ne pouvez rien faire. Ouattara, il est pire. Si vous ne lui montrez pas que vous êtes garçon, le RDR dans sa philosophie et dans sa vision se dira toujours que le FPI n'est rien. Ce sont des femmes. On va les niquer. Une fois au pouvoir, on va frapper encore avec un coup d'État. On va les renverser. S'ils sont dans l'opposition, ils ne peuvent rien faire. Voilà leur logique. Voilà leur vision, les membres du RDR. Vous devez comprendre cela. À vous de mettre la pression, à vous de dire, vous n'êtes pas divisé. Le parti est fort. Est-ce que Ouattara ne peut pas gouverner? Embêtez Ouattara. Il prépare un coup. Quand il ne sera plus là, il va encore mettre quelqu'un du RDR. Les prisonniers souffrent. Tout le monde pleure. La Côte d'Ivoire souffre. Les Ivoiriens pleurent. Le pays qui est le pays souffre. Les citoyens de ce pays souffrent.
Tout est cher. Riz en caoutchouc, qui de n'importe quoi, ça vient tuer les Ivoiriens. Les gens, ils souffrent. Les factures vont tuer les Ivoiriens. Mais non, personne ne parle dans l'opposition. Et vous, vous dites que vous êtes des leaders. Ça me fait mal. Je défends Afi. Mais quand il y a des choses, il faut lui dire. Afi, il ne tient pas. Il ne tient pas. Et dans cette vidéo, je vais lui dire, il doit se comporter comme un garçon, un homme. Il ne doit plus rester là comme femme. Non. Un leader, c'est quelqu'un qui est vaillant, c'est quelqu'un qui est courageux, c'est quelqu'un qui n'a pas peur. Parce que quand tu as peur, tu ne fais pas la politique. Un politicien, c'est quelqu'un qui est prêt pour son peuple. Ce n'est pas quelqu'un qui a peur, qui fuit son peuple. Lorsque le peuple a besoin de lui, il ne faut pas fuir, monsieur Afi. Sangaré, les Ivoiriens te regardent. Tu dis que tu es fort, mais on ne te voit pas, Sangaré. Tu es mou, on ne te voit pas. Tu n'intimides même pas Alassane Ouattara. Tu n'intimides pas Alassane. Alassane, il ne voit personne devant lui. Vous vous comportez comme des enfants. Arrêtez-moi ça. Tu es un leader ou tu es un plaisantin. Si tu es un leader, réveille-toi. Non, les Ivoiriens ont besoin de vous. Trop, c'est trop. Le peuple souffre. Imaginez, lancez une action. Et tous les Ivoiriens qui ont souffert et qui souffrent aujourd'hui, vous allez les voir. Ils vont prendre les rues. Ils vont envahir les rues. Et ne reculez pas. Ne reculez pas. Et vous leur donnez comme mot d'ordre. Si jamais le gouvernement d'Alassane nous arrête, qu'il ne quitte pas dans la rue. Mettez la pression sur Alassane pour qu'il nous libère. Voilà ce qu'un leader il fait. Voilà un message qu'il donne à ses partisans, aux patriotes ivoiriens, pour dire si jamais Alassane nous arrête, nous les cerveaux de cette marche, nous les cerveaux de cette organisation, nous les cerveaux de l'opposition, si Alassane nous arrête, parce que on défend le peuple, vous devez savoir une chose, ne quittez pas dans la rue, mettez la pression sur Alassane jusqu'à ce qu'il nous libère, jusqu'à ce qu'il quitte le pouvoir, et vous allez voir, cette parole va rester dans les têtes, gravée dans les mémoires du peuple, et des patriotes ivoiriens, ils ne vont pas laisser tout dans la rue, et ils vont mettre la pression du temps de M. Félix Houphouët-Boigny. À son temps, le roi Bagua a été incarcéré, ses partisans n'ont pas laissé les rues. Ils ont mis la pression jusqu'à ce que le Rembabo puisse obtenir la libération. C'est ça, on dit des gens, des personnes vaillantes. Mais à votre tour, vous avez peur. Est-ce que vous avez donné des vrais messages à votre population, la population ivoirienne? La population ivoirienne. Si Alassane vous met en prison et que le peuple est déterminé, partout c'est gâté, toutes les villes sortent, ça sort partout. Ça ne travaille pas. Vous allez voir la salle. Il va céder. Les gens vont l'appeler. Il faut les libérer immédiatement. Il vous libère. Vous êtes sur le terrain. On veut le départ de Ouattara. Il va quitter. Il aura une transition. Et en 2020, il aura des élections qui seront organisées. Mais non, vous avez peur. C'est ça qui me fait mal. Ah! Si c'était complet, moi, mais il y a longtemps. Moi, complet. Je suis un leader de trucs, mais il y a longtemps, il a fui le pays. Il ne peut même pas résister. Il y a longtemps, il a fui. Parce que la mentalité qu'il a, moi-même, là, pour moi, là, c'est plus dangereuse. Ah oui, je suis plus têtu que lui. Donc, il devrait même quitter. Mais vous qui êtes devant l'opposition, et vous êtes moins. Je me demande si c'était moi. Mais il y a longtemps, il a fui le pays. Il y a longtemps. Histoire de rébelle, ça n'existait plus. Ah oui, il y a longtemps, votre histoire des rebelles, ça n'existait plus. Il y a longtemps, le pays est calme. Parce que j'allais. Vous pensez qu'au Yémen, les trucs, vous avez peur. Mais la liberté, on l'arrache. Au Yémen, là, vous voyez, en Syrie. Mais quand la France soutient la SAF, et que vous menez une bonne diplomatie, mais il y aura encore d'autres qui vont vous soutenir. Alassane, il ne va pas gouverner. Il va quitter le pays. Le président yéménite, là, il a fui, il allait en Arabie Saoudite parce que c'était trop fort que lui. Il ne pouvait pas. Il a fui. Ses alliés l'aident à combattre ceux qui ont pénétré Yémen, mais ils ne peuvent pas. Et ils veulent maintenant attamer la diplomatie. On arrache la liberté. On arrache la liberté. On ne peut pas grandir dans la peur. On ne peut pas grandir dans l'esclavage occidental. Nous ne pouvons plus grandir. Nos parents, ils se sont battus. Vous pensez que de la manière, vous êtes mous. C'est comme ça, nos parents, ils étaient. Non, s'ils étaient comme ça, toujours, ils allaient mettre les fesses chaudes sur nos corps. Mais c'est parce qu'ils se sont battus.
beaucoup ont donné leur vie pour que toi, tu puisses t'exprimer un peu. Maintenant, s'il reste le peu, on doit faire le peu. Maintenant, on est là, on est muet, on ne peut même pas parler, on a peur, on veut mener la politique. Ce n'est pas ça. Cherchez des alliés. Vous avez de l'argent, vous avez des milliards. Allez-y chercher des alliés, ils vont vous soutenir. Allez-y chercher des alliés, ils vont vous soutenir. C'est ce que je veux pour mélanger à la Saint-Ouattara. Allez-y chercher des alliés pour vous soutenir. Alassane, il ne peut pas. Si vous avez des vrais alliés, des vraies armes, Alassane, il ne peut pas. Dès qu'il prend un hélicoptère, c'est-à-dire c'est bombardé en l'air là-bas, il va voir que vous qui êtes en face de lui là, vous n'êtes pas des enfants. Il ne peut plus présenter pour prendre l'hélicoptère pour venir dire je vais les bombarder par hélicoptère. Il n'a même pas des avions. Et au cas où il avait des avions, mais si vous avez des vrais alliés, dès qu'il prend l'avion, c'est bombardé en l'air là-bas. Ils vont voir que non, ceux qui sont en face là, ce n'est pas des petits. Ils vont passer à la négociation. Et c'est ça en Ukraine. En Ukraine, c'est parce que la Russie était avec eux. Et la Russie avec eux. Tous les avions que le gouvernement a soulevés ont été bombardés en l'air. L'Occident a financé, a donné des avions, des chars. Ils ont nettoyé les chars hein, en une fraction. En 15 minutes, ils ont bousillé. Combien de chars? Peut-être 60 chars. Bousillé ça quand le gouvernement a vu. Le gouvernement s'est retiré. Il a dit, ils ont une force de frappe. Pas possible. Je ne peux pas. Ils ont commencé à entamer la diplomatie. Ils ont laissé les rebelles tranquilles. Ils ont dit non, on va faire truc. Il faut signer des accords. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas intervenir à la force. Parce que ceux-là, ils sont soutenus aussi par une grande puissance. En Côte d'Ivoire, on rigole. On doit tout faire pour prendre Abidjan. Si Ouattara, il veut, il n'a qu'à prendre le nord. Il n'a pas à prendre le nord. Il y a RTI, il n'a qu'à gérer. Mais vers le sud, l'ouest et tout, vous devez lancer un assaut pour libérer là-bas. Dégagez Ouattara de là-bas. Et ces éléments, s'ils veulent, ils n'ont qu'à rester au nord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. La mer, tout ça, nous, on va gérer ça ici. C'est ça, les vraies actions. Vous devez avoir des vrais objectifs. Pas pour libérer tout le pays, mais prendre du bon côté du pays ceux qui veulent coopérer avec Alassane, qui veulent souffrir avec Alassane. Ils restent dans le gouvernement d'Alassane. Si c'est divisé, c'est eux qui vont subir. Les fonctionnaires de là-bas, là, s'il y a des tués, vous les transférez de l'autre côté. Lui qui veut rester là-bas avec le gouvernement d'Alassane, il reste là-bas. Ceux qui veulent subir le gouvernement d'Alassane, ils n'ont qu'à subir ça. Ceux qui veulent mener la belle vie, mais ils viennent vers le sud. Et puis ils sont là-bas. Hein. Ah oui, c'est clair. C'est clair. Donc chaque Ivoirien va choisir. Tu veux rester où? Au nord, au sud, à toi de choisir. Si tu veux rester au nord, tu restes là-bas avec le gouvernement d'Alassane et ses voyous. Si tu veux rester vers le sud, mais tu restes au sud avec ceux-là. Et vous sécurisez bien les choses. Voilà ce que vous devez faire. Voilà. Donc, je voulais essayer de voir les différentes questions. Je suis d'accord avec toi, Guégué. Merci, Rigobert Gbé. On est ensemble. On t'attend sur terrain vrai, vrai Facebook là. 20 000 connectés. Hein. Bonsoir, vous dites Diamant Théamant. Bonsoir, ma soeur, la seule soeur de Belgique. Tous ceux à qui ils doivent se lever. Le peuple souffre. Ah oui, mais le peuple souffre, mais on n'a pas de vrais opposants. Ils ont peur. On a l'impression que non, ils ont des collabos. Parce qu'ils ne parlent pas. Demain, quand ils vont sortir, ils vont dire Babo sort. Regardez-moi des présentateurs comme ça. Comment est-ce que le peuple ivoirien va vous encore croire que Gbagbo va sortir réellement? Parce que ce que vous faites là, ça ne montre pas que vous êtes des vrais leaders qui peuvent donner la confiance aux Ivoiriens. Ah oui, on ne voit pas votre diplomatie, on ne voit pas votre force. Si Alassane, il ne voit rien. En sachant bien que c'est Alassane qui a mis Gbagbo en prison. Mais qu'est-ce que vous... Il ne peut rien craindre. Vous allez nous blaguer, mais ce n'est pas avec nous, le peuple. Pour que Gbagbo sorte, Alassane, il doit souffrir, il doit subir une pression de la part de l'opposition pour qu'ils comprennent qu'il y a une opposition. Là, lui aussi, il va essayer de voir de l'autre côté. Maintenant, vous êtes trop mou. Et vous dites à Alassane, sort. Vous nous blaguez, nous le peuple. Mais Alassane, il vous voit, il rit. Il s'en fout de vous la leader, et il s'en fout du peuple ivoirien. C'est ça qui est la vérité. Maintenant, Gbagbo sort. Mais vous pouvez faire que Laurent Gbagbo va sortir. C'est-à-dire, vous lancez une offensive. Je n'ai pas dit la guerre. Mais une révolution nationale pour réclamer Laurent Gbagbo, vous allez, l'ancien pays va aussi le libérer.
Voilà encore une autre stratégie. La CPI va le libérer. Si vous lancez une offensive sur le territoire national, vous faites des pancartes, des pailles de Laurent Gbagbo, vous vous habillez, vous réclamez, on veut la libération de Laurent Gbagbo, on ne veut plus Ouattara. Ouattara, il fout la main. C'est mélangé à Côte d'Ivoire. Ouattara ne gouverne plus. Ah, la communauté internationale voit que ses intérêts sont menacés. Vous ne prenez pas les armes, parce que s'il n'y a pas les armes, eux, ils vont intervenir comment? C'est quand vous allez commencer à tuer les gens qu'ils vont vouloir intervenir. Mais non, ils ne vont pas intervenir lorsqu'il n'y a pas de mort. Et si Alassane commence à tirer, mais lui aussi, il va partir. Ah oui, vous vous révoltez sur le territoire national pour dire, on veut la libération de Gbagbo, de Blaise, de tous les prisonniers politiques. Libérez-les, on souffre, on ne veut plus d'un gouvernement voyou. Et le pays est paralysé, c'est mélangé. Pendant des semaines, si Alassane ne travaille pas, les intérêts des Occidentaux aussi sont menacés. Hein. Ils vont dire, ah, c'est pas à cause d'Alassane, nous, nos intérêts vont se menacer. On ne va pas, parce que une journée perdue, ce sont des milliards. Ah oui, ce sont des milliards. On réclame la libération de Laurent Gbagbo. On veut une liberté provisoire de Gbagbo et Blaise. On veut une liberté provisoire de Simone Gbagbo. On veut la libération de tous les prisonniers. On ne veut plus d'Alassane. On ne veut plus d'Alassane. C'est gâté partout. Dans toutes les villes, dans les petits villages. Une révolution totale. Alassane, il ne peut plus maîtriser la situation. Oui, la situation est vraiment très grandiose. Que lui-même, il a des problèmes. Vous allez le voir, il va fuir le pays. Il va abandonner la Côte d'Ivoire. Mais vous dormez et vous dites, Gbagbo revient. Non! Il ne peut pas revenir dans ces bêtises que vous êtes là-dedans. Vous, les leaders, vous devez faire des vraies actions. Le peuple vous soutient. Le peuple est derrière vous. Le peuple est derrière vous. À vous de voir. À vous de voir. Mais non, vous êtes trop timide. Vous ne pouvez pas être des vrais opposants. Les Ivoiriens, ce sont des gens qui sont vaillants. Vous n'avez pas vu les patriotes. Vous n'avez pas vu les actions des Bleus. Mais vous êtes des leaders, vous êtes mous. Non, on en a marre de ce mutisme. On veut de vrais leaders, des voyants. Alors réveillez-vous. Votre côté qui est debout n'est pas encore réveillé. Il faut réveiller ça. Monsieur Affiou Nguessan, Monsieur Abdourahmane Sangaré, réveille ton côté qui dort. On veut de vrais leaders et non des leaders dormants. Vous avez trop dormi. 7 ans, vous dormez. Vous dormez pendant 7 ans. Votre il gouverne. Qu'est-ce que vous attendez pour vous réveiller? Qu'est-ce que vous attendez? Envoyez-moi la vidéo à ces leaders. Ça me fait très mal. Réveillez le peuple. Le peuple vous attend. Le peuple attend ce mot d'ordre. Vous devez donner comme instruction. Si Alassane nous arrête, vous ne quittez pas les rues. Mélangez tout. Oui, empêchez les petits Français de fréquenter. Empêchez-les. Personne ne fréquente. Les banques ne doivent pas travailler. Les grandes sociétés doivent s'arrêter. Ouattara, il va voir que son pouvoir est menacé. La communauté intelligente va voir que leurs intérêts sont menacés. Ce n'est pas à cause d'Alassane, ils vont rater des milliards par jour. Alassane leur doit déjà. Et s'ils ne travaillent pas encore, leur banque ne travaille pas. Il a tout vendu. Le port ne travaille pas. L'aéroport ne travaille pas. Les banques ne travaillent pas. Vous pensez qu'ils vont vouloir qu'Alassane reste là? Non. Il va quitter le pouvoir. Il va quitter le pouvoir. Et quiconque, s'il tue, mais il sera traduit de votre corps, la justice internationale. Lui-même, il est conscient, il ne va pas tuer. Donc, vous pouvez mener ces gens d'action. C'est sûr, si on vous attend. Les mutés ont fait leur propaganda, ça c'est fini. Il reste le mot d'ordre des leaders politiques de la Côte d'Ivoire. On attend vos mots d'ordre. Un vrai leader, il ne faut même pas donner truc, demander, adresser une lettre de truc, de manifestation à la salle. Non! Est-ce que eux, à leur temps là, à votre temps, quand ils voulaient manifester, ils vous adressaient des lettres? Non, ils ne vous adressaient pas des lettres. Donc, à votre temps, quand vous leur adressez une lettre, c'est que vous les respectez trop, vous vous rabaissez. Un bon matin, prie dans la rue, c'est gâté. Ah oui, c'est gâté. Aucune instruction, aucune truc, aucune demande de manifestation ne peut être attribuée à Alassane Ouattara et son gouvernement. Vous devez vous réveiller un bon matin pour dire: Alassane quitte le pouvoir, libère les prisonniers. On réclame la libération de Gbagbo et de Blé. Là, la communauté internationale va voir que non, il a des partisans. Parce que ce que Blé Boudé faisait, on dit non, ce sont les gens de Ouattara qui mobilisaient ces patriotes-là. Est-ce qu'ils n'étaient pas du côté de Laurent Gbagbo?
Mais quand le pays va être paralysé et que les gens sortent, ils crient, libérez Baboli, ils vont dire, ah, il a encore de la popularité, libérez le monsieur. Vous allez voir, la diplomatie va changer sur le plan international. Ce n'est pas une histoire de pétition, ça ne peut rien faire. C'est sur le terrain, ça va changer les données sur le plan international. Je vous le promets. Menez une action comme ça pendant une semaine. Restez là, projeter ça. Deuxième semaine, vous allez voir le procès va se stopper. Parce qu'il n'y aura plus de quelqu'un témoin qui va encore quitter encore du vol. C'est mélangé. Lui qui va quitter, il n'y a pas de vol. Ils vont prendre qui même. Ils vont stopper le procès. Ils vont commencer à négocier. Dans les coulisses, libérez-le. On veut sa libération pour qu'on sorte dans les rues. Libérez-le, on va sortir des rues. On va quitter les rues. Vous allez voir. Ils vont le libérer tout de suite. Ils vont libérer Bleu. La politique va changer. La justice à la Cour pénale va changer. Mais si vous ne menez pas ce genre d'action, hein, je vous le dis, ils vont vous dire, ils vont le libérer, ils vont le libérer. Et à vos yeux, ils vont le condamner. Avant qu'on ne le condamne, sortez des rues, dans les rues, pour essayer de menacer les intérêts des Européens. Ils vont voir que leurs intérêts sont menacés. Pourquoi? Parce que Babo, vous réclamez sa libération. Vous réclamez la libération de Bré. Vous manifestez pour le départ d'Alassane parce qu'il vous fait souffrir. Ils vont le libérer. Ils vont dire, Alassane, pars. Pars. On ne veut plus de toi. Dégage. Pars. Casse-toi. Casse-toi, Alassane. Casse-toi. On en a marre de toi. Ils vont le dégager. Ils vont le chuter comme une petite bille. Merci, frère. Tu as entièrement raison. Car c'est la vérité qui sort de ta bouche. Ce que certains n'accepteront pas. Merci, mon frère. On est ensemble. Donc, mon coup de cœur de ce soir. Ça me fait très mal. Il fallait que je parle de ça. Vous comprenez? Mais, toi qui dis, au lieu de m'occuper de Ouattara, de chercher Moussa Sanogo, mais le Laurent Gbagbo, il peut obtenir la libération s'il y a des actions de grande envergure sur le territoire national. C'est-à-dire, si on empêche les gens de travailler, le peuple est debout, le peuple sort, c'est mélangé, on brûle les pneus partout. Ah oui, c'est mélangé à l'assassin, il n'arrive plus à rien contrôler. Mais c'est qu'il va mettre tous les Ivoiriens en prison, il va encore ouvrir des prisons. Hein. Parce que dès qu'il met en prison, le peuple même sort. Les gens, ils ont la rage. Ils sortent. Oui, libère les prisonniers. Vous allez voir, s'ils ne maîtrisent rien. Une semaine, ça dure. Non, les Occidentaux même, ils vont le menacer. Vous avez vu Blaise Compaoré? C'est parce que les intérêts des Occidentaux étaient menacés qu'ils lui ont dit qu'il faut quitter le pouvoir. C'est pas à cause de toi qu'on va perdre les milliards par jour. Vous comprenez? Donc, c'est ça aussi. C'est ça la diplomatie aussi. On peut faire la diplomatie terrienne et la diplomatie verbale. Donc, ciao, je vous aime. Vive la Côte d'Ivoire. Vive les Ivoiriens vaillants. Vive tous les patriotes qui sont motivés à faire de vraies choses, de vraies actions dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Pour le départ de Ouattara, pour la libération de tous les prisonniers et la libération de Gbagbo et Blé Boudé. C'est très important pour la paix en Côte d'Ivoire. Je vous aime.